Je garde le sourire, la 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 la. Alors, j'ai reçu deux colis. Moi, je ne vois jamais rien, j'ai reçu deux colis. Alors déjà, j'ai enlevé la boîte, hein, parce que c'était dans une boîte. J'ai reçu ceci, c'est le 10T 5G. 5G, moi qui ne voulais pas la 5G. MI, c'est le Xiaomi. Je l'ai reçu, si je vous dis combien. Je l'ai reçu, c'est pas un cadeau. Hein. Ah si, c'est un cadeau, un euro, hein, mais c'est SFR, c'est moi qui l'ai négocié. Hein. C'est pas un abonné, hein, c'est moi. Alors, eh bien, tout simplement, un euro. Franchement, un euro. Allez, on l'ouvre. Yeah. Bon, je ne cache pas que je m'en suis déjà servi. Voilà, le voilà. Xiaomi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est mon fils qui a fait. Il y a un trombone. Voilà, il y a la notice. Voilà. Mais c'est mon fils hein, qui s'en est occupé. C'est pour vous montrer. Voilà, et j'ai le... Il est là. Yeah, il est bon. Alors, il a triple capteur, je ne sais pas quoi, là. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Voilà le beau. Je vais vous montrer ça. Pour un euro. Franchement, il est parfait. Merde. Voilà. Il est parfait. Attendez. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas trop m'en servir. Voilà, regardez. Il est bien. Hein, hop, hop, hop. Voilà. Franchement, moi, je dis chapeau. Chapeau bas. Je vais regarder si j'ai quelque chose... Hop, 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 hop. Ça, c'est une prochaine vidéo. Voilà. Vous l'avez pas vu encore. Voilà. Bah, écoutez, pour un euro, il fait son job. Mais en plus, il est super. Là, il y a un triple capteur. Il fait des belles photos. Moi, je suis très contente de lui. Donc, du coup, hop, je l'éteins et je vais le mettre là. Bah, du coup, j'ai plus besoin. Je vais ranger tout ça. Attendez, j'ai le chargeur. J'ai oublié de vous dire, mais je suis nulle. J'ai le chargeur, voilà. Et j'ai les écouteurs. Comment ils sont les écouteurs? Ils sont bien, hein? Regardez. Ils sont pas mal, hein? Voilà, mais du coup, je vais garder ça. Je m'en sers pas, je téléphone pas avec. Parce que j'aime tellement mon S9 que j'ai du mal. Je ne vous cache pas, j'ai beaucoup de mal. J'adore mon S9. Et du coup, bah, on va... Ça, c'est Sybille, hein. Et voilà. Hop, allez, chargez. Charge, pépère. Charge, pépère. Charge, charge. Voilà. Et on va le charger. Hop, et voilà. 100%. Donc, vous vous rappelez que j'ai reçu un autre cadeau, mais ça, c'est un cadeau, regardez. Là, je peux même pas le porter, déjà, j'ai mal au dos, alors. Voilà, je vais vous montrer. Voilà le cadeau que j'ai reçu. Aïe, j'ai mal au bras, j'ai mal au dos, j'ai mal au bras, hein. Laisse tomber, hein, parce que j'ai fait du... J'ai voulu ranger la maison, et depuis, j'ai trop mal. Alors, vous vous rappelez de cette poêle? Qui est super. Eh bien, je vous conseille de le faire. Vous voyez, il y a une référence là. Eh bien, ce que j'ai fait, j'ai téléphoné à Rossetto et je leur ai expliqué que j'avais un problème avec la poêle, je ne comprends pas. Elle a un an et franchement, on voit bien qu'elle n'est pas sale, qu'elle est impeccable. Mais par contre, le fond, il est noir. Alors, elle m'a dit, ça peut arriver. Je lui ai dit, ok, mais par contre, les petites écorches comme ça, là, ça ne peut pas arriver. Elle m'a dit, je suis d'accord avec vous. Alors, elle m'a demandé. Alors, moi, comme j'ai plusieurs matériels de cette marque-là, donc j'ai envoyé tous les codes. Elle m'a dit, non, m'envoyez pas tous les codes. Donnez-moi juste le problème avec la... OK. Alors, je lui dis, c'est celui-ci. Alors, elle me dit, d'accord. Et deux jours après, je reçois un mail. Bonjour. Bah, écoutez, vous pouvez me donner votre adresse, s'il vous plaît. Ainsi que quoi? La dimension de votre sauteuse. Je lui dis, oui. OK.
Et le lendemain, je reçois un mail en me disant, Voilà, un colis est parti. alors je reçois la poêle, la sauteuse, je me montre la sauteuse, je dis waouh, alors on va la découvrir. Ah, je vous dis que j'ai mal, hein. Voilà. Attendez, on a un message. On a un message, je vais vous le lire. Alors, quand vous avez un problème, écrivez à la société, téléphonez à la société. Ils ont un service marketing. Alors, suite à vos échanges, veuillez trouver ci-joint votre nouvelle sauteuse 28 cm de la gamme Aircook Evolution Coloris Steel Wool, en espérant que celle-ci vous donne entière satisfaction. Envoi à titre gracieux. Alors, mon Dieu. Mon Dieu. Et je vous dis que ça. Alors, voilà. Recette eau. Alors, attendez, je l'ouvre. Voilà. Maman, elle est belle. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Waouh, regardez, manche en bois. Là en bois. Elle est trop belle, hein. Elle est moins profonde que l'autre. Alors, Aircook Evolution, Rossetto, cuisine diététique. Fond indéformable, induction, diffusion uniforme de la chaleur. Regardez. J'avais dit que je vous montrerais. Hein. Aircook cuisine diététique. Alors, information. Conseil, ôtez toutes les étiquettes, lavez à l'eau chaude pour préserver les qualités, ne pas surchauffer à vide. Ne jamais laisser votre ustensile. Ouais, mais ça, on le sert. Voilà. Franchement, c'est bien. Et en plus, il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin de. Même, je crois, de matière grasse. Découvrez une autre matière de cuisiner grâce à votre ustensile Cuisine Cook. Réalisez vos recettes favorites en diminuant naturellement l'utilisation des graisses cuites et préservez ainsi les saveurs délicates de vos aliments. En vous aidant au mieux vous nourrir, la fonte d'aluminium tient ses promesses. Moins de graisse, plus de goût pour une cuisine saine. Voilà, en fait, c'est pour une cuisine beaucoup plus saine, sans matière grasse. Voilà, on peut mettre de la matière grasse, mais on peut ne pas en mettre. Franchement, on va regarder, on va comparer avec l'autre. On va comparer. Alors, est-ce qu'elle est aussi grosse? Et franchement, c'est ça, super gentil. Hein. Elle est trop belle. Hein. Alors là, c'était du gris. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même truc. Hein. Regardez comme elle est belle. Et bien sûr, nous avons le couvercle en verre. Voilà. C'est pas top ce que j'ai eu, regardez. Voilà, comme ça je vais pouvoir cuisiner dans une nouvelle cocotte. Trop belle. On peut faire cuire des beefsteaks et tout. En fait, il n'y a pas besoin de gras. Et c'est offert par Rossetto, la marque. Il suffit, quand c'est comme ça, je ne m'attendais pas à ça, hein. Je ne vous cache pas, je m'y attendais pas du tout. Hein. Je voulais juste dire que voilà, j'étais insatisfaite et que je ne comprends pas pourquoi et je voulais qu'il m'explique. Et le fait est que suis scotchée, ce qu'elle veut dire. Elle est trop belle. Elle est toute en bois. Elle est trop belle. Voilà. Ils m'ont gâtée. Hein. Elle m'a dit, on n'a plus celle que vous aviez, mais on va vous faire une. Parce que moi, je voulais celle-là avec la pierre. Hein, c'était sûr. Hein. Ben écoutez, je ne peux rien dire de plus que merci Rossetto. Hein. Voilà. C'est. Donc, quand vous avez un souci, téléphonez à la maison mère. Je vais vous expliquer un truc. Une fois. Il y a très très longtemps, j'ai acheté un morceau de chamois d'or. Pour ceux qui ne savent pas, pour mes nouveaux abonnés, j'ai acheté un morceau de chamois d'or, une petite part comme ça, à Franprix. Quand je suis allée au Franprix, le chamois d'or, il était pourri, il était dégoûtant. Donc j'étais à Franprix, je leur ai dit, excusez-moi, mais ça, c'est pas du chamois d'or. Le chamois d'or, c'est moelleux, c'est tendre, et là, il est tout pourri. Il me dit, oui, je sais. Ben, je lui dis, mais pourquoi vous le vendez? Elle me dit, bah oui, mais parce qu'on n'allait pas gâcher la marchandise. Ah ben, je lui dis, bah bravo, vous êtes champion du monde, vous. Et je lui dis, mais comment je fais? Vous me remboursez? Ah, non, 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 vous avez qu'à voir la maison mère. Pardon? Je lui dis, c'est quoi la maison mère? Il me dit, ben, vous allez voir. Alors du coup,
J'avais jamais fait ça. Je me rappelle, je serais tout le temps, c'était la châtellerie. C'était la château. Ah, je ne sais plus. Ben non, vous voyez, il suffit que je vous le dise ça, je ne me rappelle plus. C'était. Je ne sais plus. Ben, j'ai un trou. Alors là, peut-être parce que je ne devais pas le dire, je ne sais pas. Bref, je regarde et je vois le nom de la société. Donc, je téléphone à la société. Et je leur dis, ça fait très très longtemps. Hein. J'étais jeune, j'étais mariée, je ne sais même pas s'il y avait l'euro encore. C'était la mode des pins, vous imaginez. Et je téléphone à la société et je leur dis tout simplement, excusez-moi, mais voilà, on m'a dit de vous prévenir. Perrot, la fromagerie Perrot, voilà, ça y est. Et je dis, on m'a dit de vous prévenir, voilà, j'ai acheté du chamois d'or et il s'avère qu'il est pourri. Elle me dit, ah bon, ben non, c'est pas qu'il est pourri, c'est qu'il est tout fait, quoi. Ils l'ont vendu, ils ne voulaient pas le gaspiller, mais moi, normalement, ça ne se vend pas comme ça. Elle m'a dit, je comprends. Elle me dit, vous savez ce qu'on va faire? Elle m'a dit, vous inquiétez pas, on va vous envoyer quelque chose. Moi, je me suis dit à l'époque, c'était les pins, ils m'ont envoyé un pins. Ma voisine m'appelle au bout de quelques semaines. Elle m'appelle, elle me dit, Sybille, j'ai quelque chose pour toi. Je lui dis, ah bon, t'as quoi? Elle me dit, ben voilà, j'ai une roue. Une roue de quoi? Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une roue? Elle me dit, tu verras ce soir, tu vas être surprise. Bah ben, ok, je rentre du travail et je lui dis, allez, où ta roue? Elle me sort un carton comme ça, une roue de chamois d'or. Je ne savais même pas que les chamois d'or étaient en roue. Une roue de chamois d'or. Il y avait au moins, sans mentir, il y avait au moins 20 parts. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Une roue de chamois d'or, n'importe quoi. Je voulais juste un pins. Alors j'ai eu des pins aussi, hein. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire d'un truc pareil? Et du coup, comme j'habitais, j'étais propriétaire, on était 5 étages dans mon immeuble, j'ai distribué à tout le monde du fromage. Ben oui, c'était normal. Hein. J'ai distribué à tout le monde du fromage. Moi, il me restait ça comme part. Voilà, il me restait 2 parts ou 3 parts. Mais c'était une grosse roue. Hein. Et haute comme ça. Hein. Enfin bref, j'avais jamais vu ça. Et comme quoi, vous voyez, j'ai aussi un autre exemple. J'ai une amie, elle me dit, Sybille, toi qui sais te débrouiller, j'ai eu un problème avec des andouillettes. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, téléphoner à la maison mère et leur demander ce qui se passe, parce que j'ai vu des cailloux dans les andouillettes. Oui, t'inquiète. Je lui dis, je te donnerai ce que je vais avoir si j'ai quelque chose. Et elle me dit, non, non, tu gardes tout. Bon, alors, je téléphone, pareil, j'explique, je dis, oh, c'est pas vieux ça. Hein. J'explique, je dis, voilà, j'ai un petit problème, enfin, pas vieux, peut-être moins de 10 ans, quoi. Il y avait l'euro à l'époque. Et je lui dis, bah, écoutez, c'est pas compliqué. Il y a un souci, mon amie, j'appelle pour mon amie, elle a eu des cailloux dans son andouillette. Oh non, mais oh là là, mais attendez, alors donc elle m'avait donné la référence et tout, ok, ils font une enquête, il s'avère qu'il y avait eu un petit problème dans la machinerie, dans je sais pas quoi. Du coup, elle me dit, vous inquiétez pas, on va vous dédommager. Ah bon? Je lui dis, bah ok. Et du coup, elle me téléphone, elle me dit, vous allez recevoir quelque chose. Un semi-remorque qui n'a pas le droit de passer dans la ville a bloqué toute la circulation. Toute la circulation, il n'avait pas le droit de bloquer. Il avait un colis comme ça, haut comme ça, marqué mon nom, marqué mon nom, et avec, mais alors, toutes les andouillettes inimaginables. Il y en avait à tous les goûts, du pâté. En fait, il m'avait mis tout un assortiment. Je lui ai dit, je vais te donner les choses. Elle me dit, non, tu les gardes, Sybille. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je les garde? Il y en a trop. Je dis, ben, je vais les mettre au congélateur. Elle me dit, mets-les au congélateur, c'est pour toi. Et j'avais plein de choses, quoi. Mais le pire, c'est que le camion avait bloqué la ville, avait bloqué la rue, parce qu'il n'avait pas le droit de passer. C'est un gros, gros camion, il n'avait pas le droit de passer. Et il est venu chez moi avec son gros colis, mort de rien. Voilà. Et sinon, il y a aussi d'autres choses, c'est que Coca Light me connaissait très, très bien, parce que. En fait, j'avais un fin palais, c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont un fin palais avec le Coca Light. Et moi, dès que le Coca Light, il n'avait pas beaucoup de. Je suis une chiante, hein. Attention, hein. Je suis une chieuse, c'est pas possible. Hein. Et dès que le Coca, il y avait moins de bulles, eh ben, je téléphonais à la maison mère. Elle me dit, ah, je vous reconnais. Elle me fait, vous êtes celle qui a un fin palais, vous reconnaissez tout. Donc je lui ai donné la référence. Elle me dit oui, elle me dit parce qu'il y avait un petit souci, mais c'est pas grave. Elle me dit c'est qu'effectivement il y avait peut-être moins de bulles. Elle dit bon, c'est pas grave. Elle dit allez, on a l'habitude. Et allez hop, je t'envoie plein de bons de réduction de coca. Voilà. Et une fois j'ai trouvé, alors là par contre, après, ben après.
Après, il y a peut-être plein de personnes qui ont abusé de ça. Moi, ce n'était pas mon cas. Et un autre jour, c'était la saladette. Alors là, c'était grave, là. J'aurais pu mourir. Dans la saladette, elle m'a certifié que non. Je lui ai dit, écoutez, vous voyez bien qu'elle est congelée, là. Elle était congelée, la guêpe. Elle était congelée. J'aurais pu la manger dans la salade. Et heureusement que j'ai fait comme ça et que j'ai vu la guêpe qui est tombée par terre. Une chance inouïe, hein. Je l'aurais mangé sinon. Hein. Et je leur ai dit, vous vous rendez compte? Alors, eux, ils m'ont envoyé des bons de réduction de 50 centimes. Alors là, je trouvais ça pas normal, même pas 3 euros de 50 centimes. C'était n'importe quoi. Alors que là, j'aurais dû aller plus loin, mais j'ai pas voulu aller plus loin. Voilà, pour vous dire que ne vous laissez pas faire quand vous avez un problème. Eh bien, faites le nécessaire. D'accord? Vous faites le nécessaire, vous vous dites, attends. Je me laisse pas faire, je pense à Sibylle, Sibylle elle le fait, pourquoi je le ferais pas? Voilà. Et c'est pas quelque chose de vol, rien du tout, c'est juste une question de, comment dire, il y a de marketing et c'est une question de, je sais plus comment on dit, bref, mais moi je suis comme ça, quand j'achète, je veux que ce soit bien, s'il y a un problème, je le signale. Voilà, je suis une chieuse et je suis comme ça et je serai tout le temps comme ça. Et je vous dis, moi, la fois, la caissière, elle a dit. Non, vous n'êtes pas passé à ma caisse. Parce que à la caisse, il y a toujours un problème qui arrive, quoi que ce soit, je sais pas. Soit c'est la caisse qui marche pas, soit c'est un truc qui marche pas, soit c'est un article qui est compté en double, et il y a toujours quelque chose. Mais moi, je signale, je le dis. Voilà. Bon, eh ben écoutez, hein? Je vous ferai une bonne petite recette avec, hein. Je ne sais pas quoi parce que j'ai pas d'idée pour l'instant. Et j'ai déjà, vous savez que je vais vous dire une chose, toutes les vidéos que vous allez voir prochainement, celle-là on va la mettre bientôt là, mais toutes les vidéos que vous allez voir prochainement, ce sont des vidéos que j'ai tournées depuis un petit moment parce que j'ai beaucoup d'avance sur mes vidéos. Voilà, j'ai beaucoup beaucoup d'avance. Parce qu'avant je mettais 3 vidéos par semaine, fois même. Des fois même, c'était carrément une par semaine, une par jour, une par 6, 7 par semaine. Ils m'ont encore fait un truc avec les comptes, Chris. J'avais de la pluie. 7 jours par semaine, c'était tous les jours de la semaine. C'était pas difficile à dire tous les jours de la semaine. Mais de tête, sans l'écrire, c'est pas forcément évident. Je me suis foutu une baffe. Ah, je me suis foutu une baffe et je me suis même pas fait mal. Bref, voilà, ça c'est moi, hein, mes conneries, hein, voilà. Là, j'ai décidé d'en faire que 2 par semaine. Voilà, c'est pour ça. Et du coup, bah, ça monte, ça monte, ça monte. J'ai déjà 16 vidéos d'avance. Mais ça ne veut pas dire que celle-là, vous n'allez pas la voir maintenant, parce que vous allez la voir très prochainement. Sur ce, ben, voilà, on garde le sourire, hein. On s'amuse, on rigole. Je garde le sourire, la la la. Par contre, je vais pas. Le verre, j'ai peur. Donc, je vais l'arranger tout de suite. En tout cas, merci à mes nouveaux abonnés. Vous êtes très nombreux et je vous adore. Ça me fait très, très plaisir. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Et je vous dis, I love you, Isle te quiero, ti amo. Bye bye. Abonnez-vous. Likez. Bah oui. Partagez. Partager, mais bon, on dit partager, mais si vous allez partager, vous allez partager une folle comme moi qui fait des conneries, qui dit des conneries, qui s'amuse. Voilà. Eh bien, je vous embrasse très très fort.